Grosso modo, je suis loin d'être un expert d'Ocarina of Time, des gens largement plus doués que moi. Expliquer un peu ce qui se passe dans le TAS, j'y arriverai. J'ai pas de truc. C'est pas grave. On mettait une PC, ça serait très bien. Dans le TAS ici, d'Ocarina of Time. Ainsi que dans un speedrun classique. Alors j'ai pris moi la version. Enfin, c'est sur l'émulateur, j'ai pris la version PAL. Juste pour montrer que c'était possible en fait. Donc, qui est pas forcément obligatoire d'avoir une version japonaise du jeu pour réussir les glitches qui sont montrés, puis ça sera plus agréable quoi. Souvent en fait on prend une version japonaise juste pour une question de défilement de texte, parce qu'à savoir que donc les consoles américaines et japonaises qui défilent à 60 fps mais le jeu n'en traite que 20 réellement, donc quand je dis traiter c'est ce qui est input. Et également affichage, donc en fait dans l'affichage des caractères, il n'affiche qu'un caractère toutes les 3 frames, et naturellement un bonjour qui prend 7 caractères, c'est beaucoup plus long à écrire qu'un kanji. Donc c'est tout simplement pour ça que le texte japonais est beaucoup plus spécificité de la version japonaise aussi, c'est que le point de suspension, c'est comme un caractère, car chez nous, c'est 3. Et bon, dans vu ce qu'on peut passer, c'est pas moi dans la main. Par contre, contrairement à ceux qui ont énormément de skills, moi quand je suis sur l'émulateur, je vais pas me gêner pour faire des save states et recommencer. Quand je me foire, c'est fort probable que je me foire sans. C'est pas mal. Savoir donc que niveau record, il y a eu un test qui a été publié il n'y a pas longtemps par Mr. Grand en 18 minutes 46, et le speedrun classique à la manette fait par Pydox, qui stream souvent aussi le speedrun de Ocarina of Time, les sons de Ocarina of Time sur son internet. Donc le Pydox qui est anglophone a probablement le world record sur Virtual Console, parce que c'est la version. C'est pas la version GameCube, c'est la version N64 émulée par la Wii. Ça permet de gagner tous les temps de chargement, etc. Donc c'est la version la plus rapide du jeu qu'il existe, mais elle est strictement identique à la version 64. Hein. Et donc lui, il l'a fait en 21 minutes, je sais plus combien. Mais c'est un gars qui... c'est probablement, même certainement, le meilleur... joueur de Ocarina of Time au monde, il fait des trucs qu'on croyait à son vie, ça c'est impressionnant. Ce qui est marrant naturellement quand on regarde les deux runs, il y a au final pratiquement plus de cinématiques que de jeux. Et ouais, je vais juste...
qu'on remarque, je fais le tour de... Enfin, je ne sais pas du tout aller contre le mur. Que ce soit comme ça. Ouais, en fait, il y a ici un masque de collision de deux jarres qui ont été... Je ne sais pas si elles ont été oubliées ou si elles n'ont tout simplement pas été... Enfin, si elles ont été enlevées. Mais toujours est-il que le masque de collision est resté. Donc c'est pour ça qu'en fait, on cogne contre un bord qui n'existe pas. Il y a une photo qui traîne sur le net, le wiki dédié à ça. Ils ont passé leur temps effectivement à afficher le masque de collision de la salle et on voit bien la présence des deux genres. Alors ici eux ils descendent naturellement, ils descendent jamais plus près. Ah, moi ici je vais aller en marche avant pour que ça soit plus agréable pour vous, mais souvent vous verrez les valeurs, ils vont ainsi en arrière, de ce côté, parce que c'est plus rapide comme ça. De tout le monde, je vais faire en marche avant. Puis en plus, c'est clairement pas le style pour les prendre. Et ici, ils font toujours les crochets pour aller chercher les deux rubis. Toujours, toujours. En fait, j'ai naturellement pas de manette 64 ou qui s'en rapproche sur PC. J'ai une espèce de manette qui ressemble à une DualShock, en fait, c'est une manette Logitech. Que le cahier passe, chose que eux ne font jamais, bien sûr, ils y vont en marche arrière sur le terrain. Largement plus haut des points. En général, ils servent de cette frame-ci pour équiper l'épée ou plus loin. En fait, j'essaye de trouver le moment où il y a le moins d'interactions possible à faire, toujours dans un esprit de perdre le moins de temps possible. Tu vas me les donner, normalement, ce qu'on est censé faire, en fait, on est censé réunir 40 rubis pour aller chercher le bouclier dans la boutique. Dans la boutique qu'on voit là-bas. Et ensuite, une fois qu'on a le bouclier, on va à Ramojo, bien sûr. Parce que une fois par an, je vais d'abord chercher l'objet ultime du jeu, la boutique. Elle permet de faire énormément de choses. Notamment une des premières runs qui était faite, c'était une run RDM, Adventure. Et en gros, je sais trop comment ils font, mais ils parviennent à remplacer l'épée par la bouteille. Et alors, je sais plus si c'est en lâchant le jeu, c'est pas quoi. Enfin bref, tout est-il que. Il y a une addition mémoire qui se fait et donc c'est l'objet en fait mis sur le bouton B plus celui sur un des boutons C, donc le bouton C c'est ceci et B ça donne en fait un autre objet, donc c'est par addition d'objets qu'on va pouvoir aller chercher, ça va plus loin que des simples bombes, des flèches, ça va
au médaillon, des mélodies ou des trucs comme ça. Et donc dans la run, il passe son temps à aller faire ça, aller chercher ce qu'il lui faut pour avoir les bonnes idées, pour pouvoir additionner ce qu'il lui faut, comme dans l'autre, pour en fait aller tout chercher et essayer au boss de fin. Il y a eu quelques temps après notre groupe qui s'est découvert, c'est celle qu'on a actuellement. Alors bien sûr, en face, comme ce sont des dieux et qu'ils peuvent recommencer autant de fois qu'ils veulent, ils arrivent ici, ils sautent et ils mettent directement son truc en speedrun, celui qui arrive à faire ça. Je sais même pas si Paradox le sait, mais j'ai comme qui dirait un doute. Alors en fait, ils ont toute une série de... ils appellent des setups en fait, donc ce sont des... c'est toute une série de mouvements précis. Et qu'ils exécutent, et en fait c'est ça qui leur permet de se placer idéalement pour pouvoir glitcher. Alors, par exemple celui-ci. Du jeu, il s'est coupé. Il s'est vraiment coupé. Ah oui. Oh tiens, c'est marrant. Warum? C'est pas grave. Alors, système save. Oui, ce sera très très bien comme ça. Système. Si je reset, ça marche pas. Hein. Je sais pas pourquoi le jeu s'est coupé. Voilà, du coup, si je fais F7. Voilà. Bon, je sais, en plus la musique est chiante, mais c'est pas grave. Donc, ça. Hop, range ton épée. Vas-y, fais-moi plaisir. Je vais te lever. En fait c'est d'arriver à faire un ce qu'on appelle un slash ce possible là, pile dans l'alignement de la pierre en fait, et ça nous fait passer au travers. Il y a en fait une zone de chargement qui est cachée à l'arrière, et normalement on y accède par là. Je vais essayer de voir si on peut zoomer dans l'eau. Normalement on y accède par là, on peut plonger, mais il faut une écaille spéciale, etc. Donc il faut un item beaucoup plus loin dans le jeu pour aller chercher. Mais il y a quand même moyen de passer sans. Alors, reste en temps quoi, fais pas de dégâts. Voilà. Hein. C'est cool en même temps, c'est que quand même j'avais pas l'habitude de voir à quel point les mecs ils se sont entraînés pour pouvoir maîtriser ça. Ah non, parce que j'ai pas lâché Z. Toujours pas. Z en fait c'est le bouton qui est en dessous de la manette, pour ceux qui ne voient pas quoi ressemble une manette de 64. Et donc normalement quand on a une cible quelconque, un ennemi ou n'importe quoi, ça nous permet de cibler l'ennemi. Quand on n'a rien, ça recentre la caméra. C'est le seul contrôle caméra qu'on a. Quand on maintient ce bouton en fait, soit on se déplace latéralement, on n'a rien, etc. Si on cible virtuellement quelque chose, on peut sauter comme ça. Ça j'ai montré. Alors ensuite, ce qu'ils font par exemple pour sauter, c'est qu'on fait un backflip comme ça, puis sans toucher à rien, on peut sur le bouton 1, on voit que le personnage roule sur le côté. Donc, si on saute, qu'on fait ça et qu'on relâche, en fait le personnage a tourné d'un angle 90 degrés. Et c'est pareil pour le collatéral. En fait. On voit qu'on fait une roulade sur le côté, ça sert à l'orienter.
Le son de l'ocarina me semble fort en fait. Voilà, ça sent beaucoup mieux. Deux petites secondes. Ça c'était les
Ça aussi. Ah, perdu. Coup d'épée avant. Pas l'air d'être si bien que ça dans le coin en fait. Allez Link. Tôt. Non. L'habitude du 60R, c'est l'habitude de pas le faire. Putain, Niji, elle va pas parler. Avec un safe state, elle aurait du mal, mais. Allez. Putain, faut le faire à la pause. Arrivé. Je fais de la merde. Bon, allez. Allez. Merde. De toute façon, ça veut dire mal placé, ça, parce que c'est pas possible. Pour bien me faire chier, vas-y. Ouais, non, à se promener en attendant qu'une vie veuille bien l'ouvrir. Qui me tracasse. Merde. F5, F7. Conin. Otto, vas-y, paye ton truc. Je suis mal mis, rien à faire. Bon, j'essaie d'aller faire parler mal. Hein. Parce que sinon, on donne un marbre. En fait, ça c'est le passage où on est censé aller. J'ai même lui parler. Alors en TAS, on peut skipper le dialogue qu'on se farcit ici. Enfin, qui sera différent puisque j'aurai normalement mon clean. Là, j'espère qu'avec le dialogue, l'autre elle va. Voilà, vas-y. Eh ben. Putain, m'oblige pas à sortir par l'autre voie, quoi. J'ai pas spécialement envie.
passe. Normalement aussi le chemin qui est ici, on n'est pas censé le connaître comme ça, je veux dire, on y vient quand on est adulte et on se fie au son de l'ocarina en fait pour passer. Mais à force naturellement de le faire, on connaît le chemin par cœur. Oh, une frame drop. Alors, sauf ici. Ouais. On n'est pas censé être enfant, enfin, je pense. C'est fermé. Oui, si, je sais plus si on y vient enfant ou pas. Oula, ça date. Oh, le Navy. Bon, je vais voir que c'est parce que je lui ai parlé tout à l'heure sans faire exprès que... Désolé pour ce grand moment de solitude. Ah ouais, dans l'eau. Hein. Comme ça. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire avec les vies, c'est pas comme ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Normalement, il faut monter sur la pierre. Par un autre côté pour être vraiment bien boire, comme ça normalement il faut monter par ici. Pas sûr qu'on a le principe. Et en fait on brille le bouton B. Vas-y, accroche-toi, fais-moi plaisir, une fois. Voilà. Et en fait en tapant B, on va pisser, on tombe. Et alors pendant la chute, si on repousse sur B, en fait on va faire un jump slash. C'est ça qui le jump slash rappelle. Ça. Et en fait, pendant ce jump slash, on parle à la fée. Et de ce fait-là, en fait, ça va tout simplement nous faire bugger. On va littéralement couler et on va pouvoir aller toucher la warzone qui est là en dessous. Et pour ça, il faut que cet imbécile nous parle. Et d'habitude, voilà, ceux qui n'ont pas fait le jeu, ceux qui ont fait le jeu en tout cas s'en souviennent très bien. Ceux qui n'ont pas fait, ben, en fait, voilà, cette fée-là nous casse. Et puis toutes les deux minutes, hey, listen, allez, vas-y, c'est bon. Dans l'eau. Pas bien quoi, j'y arrivais même sans ma GameCube quoi. C'est pas possible. Elle me parlera pas quoi. Putain, j'étais obligé de relancer le jeu, ça m'a énervé ça. Je me dis bizarrement. Attends, j'y étais là, je sais quand même. Ah bon, je vais lancer le jeu, je vais voir si on va l'accélérer, mais ce qui fait la scène du début. Système reset. Si je fais à limite FPS. Ah voilà. Ah peut-être que mémoire chargeant. Ah ouais bah voilà. Vous allez avoir le jeu ralenti. C'est quoi la caméra? Ah, ça par contre c'est classe, ça, c'est un truc. Il se réveille, il se réveille un petit peu de sa douleur. Voilà. Je vais
essayer de faire genre le mec avec du ski, mais j'en ai pas. Parce que je vais tomber. Mais non, je bleue pas le truc, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ouais. On va surtout pas lui parler, on va pas faire un boulette. Non. Et non, lui parle pas, je m'en fous. C'est le caillou, je veux. Voilà. De nouveau, les vrais mecs stylés, ils les ont en passant ici. Voilà. Moi, j'en ai pas eu. Puis à s'aligner dès le départ. Et là, pour le coup, je vais avoir un camion. Hein. Voilà. Il va falloir que j'aille chercher l'autre. C'est pas grave. Allez, vas-y, c'est bon. On va chercher l'autre. Pareil, en fait, ce trajet, je vous montrerai tout à l'heure, il paraît anodin pour aller chercher les rubis, mais il ne l'est pas. Il n'y a que dans le tas où effectivement, si je me bourre pas, il va pas les chercher, il se casse pas la tête à faire ça. On s'en fout de l'épée. Non, je vais pas se dire les gens. Voilà. Vas-y, donne-moi, lui. Salaud. Voilà. Ça, c'est juste pour la fin. Et non. Bien laissé, Navy Troll. C'est comme avant. Je sais pas si j'arriverai jusqu'au bout. On va quand même tenter. Tant qu'elle a eu de poser. Là, je suis sûr qu'il va pas. Voilà. Alors, et... Hein, ça va le coup, petit CF7. Voilà. Voilà, cool. Je suis pas spécialement bien mis, mais ça devrait suffire. Ouais. Bon, il y a quand même pas besoin d'avoir fait bac plus 30 pour comprendre. Absolument pas censé faire ça. Et il se trouve ici d'ailleurs, hein, à ce stade-là du jeu. Dans le speedrun, ce qu'il fait dans le tout le speedrun, à un moment donné, il se retourne et il vient cogner un mur, mais je sais plus lequel, pour prendre un rubis de 20. Que j'aurais qu'à faire à la main, il paraît que ça se fait. Non, non, pas par là. Je veux pas aller par là. Voilà. Je crois que c'est ici. Le but du jeu en fait c'est de réunir 40 rubis pour pouvoir aller acheter le bouton. C'est pour ça qu'en fait on en prend 20, c'est parce que normalement il y en a 20 ici dans la réserve, quelque chose comme ça. Mais bon, avec les zigzags qu'on fait, on en loupe parfois, mais c'est pas un drame.
puisqu'il y a de toute façon 5 rubis à côté du marchand, il y a moyen d'en avoir 5 en y allant. On a de la marge. Alors ici, un autre truc qui fait, on va se mettre comme ça avant que les zombies apparaissent. Voilà. Ils viennent comme ça. Parce que bien sûr, toujours en marche arrière. Ils se mettent, je crois, comme ça. Je suis prêt à sortir l'épée. C'est un truc que j'arrive pas à faire. Enfin, soit ils vont quand même cogner la barrière. Ils sont projetés en arrière. Ici, et ils ont de la vitesse. En fait, le but du jeu de cette manœuvre, c'est qu'avec la vitesse qu'on a, on loupe ce dialogue. Bon, j'ai poussé sur B, mais ici on a la chance qu'on puisse le passer. Mais sur la version Jap, il parle quand même et on perd beaucoup de temps. On peut le passer, il va plus vite, mais là, avec la vitesse qu'on a, le jeu ne parle même pas, quoi. Il pas quand il existe, donc. Là, je suis par contre obligé d'attendre le jour, donc sacré les ennemis. Aïe. C'était prévu dans le jeu, il n'y a pas de soucis. Voilà. C'est qu'en fait, quand on a tué un certain nombre, il y en a un plus gros qui apparaît. Ça ne change foncièrement rien du tout, à part qu'il rapporte 5 rubis. Je crois qu'il y a quelque chose qui est encore plus gros quand on est venu. Ah, lui aussi, décidément. Allez, bien sûr. C'est un jour qui passe très très vite, on voit bien la lune ici. Ça, c'est mieux, c'est tout. Voilà, c'est cool, casse-toi. Donc en fait, c'est l'endroit ici le plus... Enfin, c'est un peu ennuyeux à faire... Mais c'est l'endroit le plus rapide du jeu, parce que sinon on pourrait aller chercher une bouteille également au lac il y a, mais il faut se le farcir, il y a plein de trucs à skipper, c'est beaucoup plus compliqué, donc... Il n'y a pas le choix, il faut passer par les cocottes. Et dans beaucoup... Enfin, c'est très intéressant à regarder en fait sur des runs en live, parce que... Les cocottes trollent beaucoup. Les joueurs, c'est assez compliqué à manipuler comme comportement, bien que ça soit plus ou moins une direction en ligne droite. Et bien sûr, en face, c'est un peu plus simple. Si je me suis fail, etc. Vous faites la caisse et vous remarquez qu'ils vont toujours contre le mur en fait, parce que ça effraie la cocotte et ça lui permet de partir dans l'autre sens. Parce que sinon, en fait, elle reste sur place et elle, comme ça, elle se dirige gentiment, tranquillement vers l'enclos et on n'a pas à revenir la chercher. C'est un petit gain de temps que le prendre. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu quand même. Voilà. Normalement, on fait comme ça. Voilà, en fait, la poule comme ça, elle arrive ici, en bas. C'est celle qui était là-bas. Et elle se barre pas parfaite ou elle reste pas là sur place. On n'a plus près sur la recherche. Donc on en a. Bien sûr, quand on lance une poule contre un mur, elle fait le tour et elle va dans le... Dans l'enclos, c'est connu. Hein. Celle-là, j'espère qu'elle va y aller. Fais gaffe, ouais, ça va, c'est bon. On va prendre celle-ci pour passer de l'autre côté. Je sais plus dans le tas comment il fait, je vais pas regarder avant de jouer, mais ça reste relativement similaire. J'espère que je l'ai bien lancé. Bon, ça par contre c'est pas prévu, faut pas faire.
quand ils montent à la barrière, c'est une perte de temps. Pareil, on essaye toujours de lancer un maximum en direction de l'enclos. En fait, ici, pourquoi est-ce qu'ils montent? On ne voit pas bien, mais il y a une barrière sur laquelle on marche. Même si on peut pas, hein, normalement on est censé se faire empaler, mais bon, les collisions de l'époque, voilà quoi. Tout simplement pour... Est-ce que je vais y arriver? Ouais, non. Enfin, bref, ils sautent, eux, ils attrapent, de nouveau, comme ils sont skillés, ils attrapent l'échelle, et ils ont une durée beaucoup plus courte pour grimper, parce qu'ils arrivent, ouais, ils arrivent pratiquement à cette hauteur-ci. Donc, c'est un gain de temps pour monter à l'échelle, tout simplement. Alors, on rapatrie la dernière cocotte et l'autre elle pouvait se planquer dans les escaliers. Souvent, ce qu'ils font également, ils balancent celle-là, ils prennent l'autre qui normalement doit être parfaitement là, mais c'est pas très grave. Et ils lui donnent un petit coup, comme ça, elle part plus ou moins dans la direction opposée à lui. Non, pas dans le cul, je m'en fous. La poule. Et comme ça, la poule avance gentiment, tranquillement, toute seule vers, vers l'enclos. Ah, ici, il est bien allé en fait. Il peut être resté. Et enfin, l'item ultime du jeu, la bouteille. Alors pourquoi est-ce que c'est ultime? Comment on fait ça? En fait, on vient ici et il y a toujours des insectes sous les pierres. L'intérêt en fait de l'insecte, ça marche aussi avec... L'intérêt en fait de l'insecte ou du poisson, c'est que quand on ouvre la bouteille, je vais le refaire ici maintenant qu'ils sont partis. Donc non seulement soit le poisson, soit ici les insectes restent là, mais quand on le réattrape en fait, ça permet de garder la bouteille en main. Et alors, le glitch qui tue, c'est que donc en faisant un backflip, et alors donc on va flipper ça. Donc on va en marche arrière et puis sur A. Quand on est en l'air, si on utilise la bouteille plus un autre objet, en fait on va se mettre à jouer de l'ocarina avec cet objet. Donc en gros ça donne ça. Perdu, c'est pas grave. Comme j'ai pas envie. Voilà. Voilà, ça marche, c'est de l'ocarina. En quoi c'est... C'est parce que je ne connais pas de mélodie, mais si on joue une mélodie, elle se joue sans problème. C'est vraiment considéré comme, comme l'ocarina du jeu. C'est important en fait parce que l'ocarina a une priorité absolue sur toute autre action. Même si on est en train de se faire taper, mourir ou ce qu'on veut, priorité c'est jouer de l'ocarina. C'est pour ça que dans certaines salles, il est, même si on l'équipe sur un des boutons C, il sera désactivé en fait, on pourra pas y jouer. Mais avec ce glitch là, il n'y a pas de problème, ça passe sans problème, on peut quand même jouer de l'ocarina même si l'objet n'est pas disponible. Et donc en fait ça permet de... On va le voir sur le boss ici de Goma, je vais faire un vrai safe state. Ça permet en fait de reprendre et de garder le contrôle en fait quand on prend un téléporteur. J'y arriverai, je cherchais mes mots. Non, c'est B pour sauvegarder. Voilà. Alors, on sauvegarde. Bien évidemment, par contre, ici, on reset. En gros, vu que l'ocarina prend la priorité sur le tout, même si le téléporteur est censé se mettre en route, comme on joue de l'ocarina, on va pouvoir garder le contrôle de son personnage pendant ce temps-là. Chose que normalement, bien sûr, on ne peut pas faire. Alors ici, pourquoi un simple sauvegarde reset? Eh bien, en fait, le jeu fonctionne ainsi. Quand on sauvegarde et qu'on coupe la console et qu'on est ailleurs que dans un donjon, où que ça soit, en fait, on revient... étant petit, on revient ici dans sa maison. Étant adulte, on revient au temple du temps.
Et sinon, on revient à l'entrée du donjon, si on est dans un donjon. Donc voilà, on va essayer d'aller chercher enfin le bouclier. Alors souvent, bah, parfois il y en a qui passent par ici si on a la bourde de vie. Mais c'est relativement rare. Je vois rarement faire ça. Souvent ils viennent chercher le rubis manquant ici là derrière. Et c'est marrant parce qu'avant de voir les runs, je savais même pas qu'il y avait un rubis là. Alors par contre ici eux font un truc que moi perso j'arrive pas à faire, mais en même temps je me suis pas rencardé pour. En fait en faisant ça, quand ils achètent le bouclier, ils parviennent à avancer un petit peu, et ce petit peu suffit en fait à s'éloigner du marchand. C'est ridicule, mais ça permet de skipper entre autres cette phase là. Puisqu'on est trop loin, en fait, le marchand ne nous pose pas la question, donc on gagne quelques frames. Et voire même quelques petites secondes. Et alors ce que eux font, je sais pas si j'y arriverai, enfin, bref, ils repartent ici en roulade, parce qu'ils profitent de la pause en fait pour mettre leur touche. Ils partent en roulade, c'est la classe. Voilà. De nouveau ce dialogue qui est skippable en tasse. J'ai pas vu un de runner encore, enfin en même temps je parlais qu'un des pilots. À la main le skipper à la manette. Par contre ça me gaffe, je me suis foiré sur mon escape. Alors ici, quand il passe, je vais écouter, je montrerai un autre glitch. Voilà. De nouveau, ça dépend s'ils tentent un coup ou s'ils veulent la jouer safe. Soit ils prennent un bâton mojo, soit ils en prennent deux. Très important le bâton mojo. C'est rien, on va se taper la cinématique et puis... Donc de nouveau, là, elle raconte qu'on est... C'est quelque chose que je n'ai pas montré pendant qu'on était dans la paix, c'est pas trop grave. Ceux qui n'ont pas fait le jeu de dos. En fait, il y a, étant enfant, il y a trois donjons. L'arbre mojo est le premier, ensuite il faut aller dans la montagne, et puis il y a le domaine Zora, donc c'est un temple plutôt aquatique. Enfin, même le ventre d'un animal, en fait, c'est un concept assez génial, je trouve. Et ensuite, on doit aller au temple, arriver au temple du temps, on dépose les pierres, on devient adulte, et adulte, il y a cinq donjons à faire. Donc en commençant par le temple de la forêt, puis c'est le temple du feu, le temple de l'eau. Le temple, je pense que c'est de l'esprit, puis le temple de l'ombre. Je suis plus sûr qu'elle leur par contre le dernier, parce que j'ai vu tellement de trucs que... Voilà. À savoir qu'en fait, le jeu ne check que les deux médaillons. Donc en fait, si on a uniquement le médaillon de l'ombre et le médaillon de l'esprit, ça suffit pour accéder à la fin du jeu. Donc ça, c'est une chose qui a été découverte, et c'est le cas dans beaucoup de jeux. Twilight Princess fait exactement le même genre de délire, en fait, il check juste qu'on a le dernier morceau de miroir et le premier, mais le premier on peut pas passer outre puisque il faut absolument aller à la salle. Donc il check juste qu'on a le dernier morceau de miroir et ça suffit quoi. Et alors ici par contre la phase qu'on skip, c'est encore beaucoup plus important que ça, puisque on va juste entrer dans ce donjon et avec un bug en fait on va se téléporter directement à la fin du jeu. Donc on passe toutes les étapes avec tous les temples etc, on passe le château en fait du château de Ganon, qui est un donjon en soi. Et pareil, il y a toute une phase en fait, on doit passer dans des salles, tirer sur des trucs avec des flèches de lumière, enfin bref, il y a toute une escalade avec ça. Et tout ça est littéralement zappé. Alors j'en profite parce que je pense qu'après on n'aura pas vraiment l'occasion. Un autre glitch. En fait on voit ici quand on tape, le bâton est blanc, ça marche aussi à l'épée. Et cette zone on va dire blanche, ça représente le laps de temps en fait où le coup est effectif. C'est-à-dire que s'il y a un ennemi qui passe à ce moment-là, il se fait toucher. C'est comme ça que c'est codé. Donc il y a le moment donné où on appuie sur le bouton. Il y a un event qui dit ok, le coup est parti, et il y a un event qui dit le coup est terminé. Entre les deux, on peut taper. Et puis il y a un bug, ça se fait avec n'importe quoi qui peut taper, mais c'est un peu plus perceptible avec le bâton.
Le truc c'est qu'en fait on va taper, donc on va utiliser une crotch stab, je viendrai après. En fait on met le bouclier, on utilise aussi le bâton, l'épée ça marche aussi. Et pendant en fait ce coup, si on interrompt ce coup avec un message de Navy ou je pense qu'un dialogue ça fonctionne, un dialogue ça fonctionne également. Si ce coup est interrompu en fait, l'événement qui dit que le coup est terminé ne se déclenche pas. Donc en fait le jeu va considérer qu'on tape en permanence. Je vais essayer de lui arriver. C'est pas forcément évident parce que là je suis en très court. Voilà. Ouais, voilà. En fait on le voit ici, mon bâton est brillant. Et en fait le jeu considère que je tape. Vous voyez, il est tout le temps brillant. Et je tape à l'infini. Même si je n'utilise pas l'arme, il faut surtout pas l'utiliser. C'est considéré comme un coup. Alors je sais pas si c'est un peu délicat avec le planton jaune. Soit. Et on peut même ranger le bâton. On peut sauter pendant le truc. Et même comme ça, en fait, le glitch est toujours actif. Je sais pas si je vais me le faire, c'est vraiment chiant. Moi, je me suis fait toucher, donc il est désactivé normalement. Ah non. Ah, c'est pas compte, il y a ça. Quand on se fait toucher et qu'on n'a pas l'objet, le glitch n'est pas désactivé. Donc c'est toujours sympa. J'allais près des arbres, c'est des plantes, c'est plus sympa. Par contre, est-ce que je peux passer sans avoir la faute? Ouais, voilà. Voilà. Parce que oui, en fait, quand le glitch est activé, comme ici, il saute pas les bordures, il n'est rien. Donc, ça... Par exemple, ici, vous allez voir, j'utilise pas d'arme, j'utilise rien du tout, et pourtant. Ah, ah, vas-y, fais-le. Ah non, avec le bâton, ça marche moins bien. Avec l'épée, ça marche mieux. Soit, c'est pas grave. Ah, vas-y. Hop, t'as l'air, ça l'a fait. Soit. On a eu la conne de l'activer. C'est pas grave, on va reprendre le dialogue ici. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas vu le bâton briller. Ouais. Et vas-y. Non, il a pas vu. Oh, enfin. Allez, vas-y. Ouais, là il a fait. C'est bon. Voilà, normalement. Hop là. Bon, ouais, même si je n'ai pas le bâton, je casse quand même les plantes. Donc ça veut bien la preuve que le bug est activé, on a fait ici. Voilà. C'est un peu chiant. Alors c'est un bug qui est utilisé à foison dans les runs un peu plus longues. Parce que bien évidemment on n'a même pas besoin de sortir l'épée pour taper, donc ce qui est super pratique. Et vu que le jeu, par exemple, c'est le cas du bâton mojo, si on tape avec le bâton mojo sur un ennemi, un mur ou ce qu'on veut, en fait il casse. Tandis que là, vu qu'on n'est pas réellement en train de taper, le bâton ne serait pas cassé. Alors le deuxième intérêt, c'est qu'en fait, étant enfant, un coup d'épée ici équivaut à 1. Donc là je reviens au coup de tout à l'heure. C'est équivaut à un jump slash, comme ça, équivaut à 2, c'est toujours le double de l'attaque de base. La Master Sword, donc l'épée suivante, tape à 2, la Bigoron, donc l'épée finale, tape à 4, donc ça veut dire que le jump slash tape à 8. Mais il y a un coup particulier, qui est celui-ci accroupi avec le bouclier, en épée, donc ça s'appelle un crotch stab. Lui en fait n'a pas de valeur propre à lui-même. Et alors, de ce fait-là, il récupère la dernière valeur qu'on a été, qui a été portée. Le bâton mojo, lui, tape à 2. Donc, ce qui fait que si on fait un jump slash au bâton mojo, c'est considéré comme 4. Et même si ici, avec l'épée, je tape, en fait, je tape à 4. Ça paraît pas comme ça, mais en fait, la valeur de mon coup est considérée comme 4. Donc, ça permet de... En plus, le coup est rapide. Ça permet de taper vite et fort malgré le handicap. Je dirais malgré la petite épée donc qui ne tape pas. Hein, donc elle tape 4 fois plus fort que ce qu'elle ne devrait. Et c'est comme ça qu'il y a des boss qui se font pulvériser parce que je reviens donc à la combinaison du glitch qu'on a vu avant.
On va utiliser un jump slash avec le bâton mojo. Donc on va avoir 4 de stocké. On va donner un coup ainsi, on va provoquer le KSG, l'Infinite Sword Glitch, qui est celui où le jeu considère qu'on tape tout le temps. Et ça veut dire qu'on va taper en permanence à 4, qui est donc l'équivalent du coup de la Master Sword. Voilà, c'est complètement fumé. C'est surutilisé. Les noix mojo, on va en avoir grandement besoin. Alors ici, je vais essayer de faire perdu. Normalement, il y a moyen, quand la noix mojo est bien projetée, qu'on soit ici le bâton au bon moment, de skipper le dialogue qu'on vient d'entendre. C'est ce que eux font, les runoffs que sont en task en speedrun classique. Moi ici, je me suis foiré. Alors vous remarquerez souvent ici, comme ça, ils sautent sur le corps, et puis ils agrippent la liane. C'est pour la même raison que précédemment, c'est juste pour skipper le dialogue. S'ils commencent en bas, en fait, le dialogue va se mettre en route. Et ils font ça pour éviter le dialogue et gagner du temps. Je ne me souviens pas de la route normale, voilà. Mais ce que je me souviens, c'est qu'en fait ici, voilà, il y a la grosse araignée qui descend. On peut pas la taper, on peut pas l'approcher, parce que si on l'approche, elle tourne et elle projette. Démonstration, voilà. Et il faut le lance-pierre en fait, quand elle est de dos, on tire au lance-pierre et on la tue, ce qui nous permet de sauter. Parce que je ne vais pas savoir le nom. Ah, je traverse la toile. Voilà. En fait, ici en bas, c'est la souris si chouette. Ici en bas, donc on a la toile et normalement on est censé passer par où il y a l'araignée, sauter, atterrir plus ou moins au milieu. Ça va tout simplement briser la toile et on peut accéder à l'étage en dessous. Il faut bien évidemment le lance-pierre pour faire ça. Sauf que ça prend du temps à aller chercher. Dans le test de Swordless League il y a quelques années, qui est planté dans Speed Game, il va quand même le chercher. Mais on a découvert qu'en fait on peut complètement s'en passer. Pareil, il y a un setup à faire. Je vais essayer de me remettre droit si tu veux bien, Link. En fait, il donne un coup ici. Il est placé. Ah, bah, si. Je disais aussi, comme j'ai le bâton. Voilà, pas soit. Attendre qu'elle remonte. C'est pas facile avec une espèce de pseudo-stick, donc je m'en excuse. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais non. Ah bon, c'est pas grave, je l'ai signé sur un autre bouton. Parce que clairement, au stick, c'est juste pas possible. Je suis contrôleur, j'y arriverai. C'est droite, donc c'est R, je vais t'assigner à ce bouton-là. Voilà. Franchement, je vais pas chier. En fait, en faisant ça... Non. Voilà, c'est pas grave. C'est pas censé se passer comme ça, même si j'ai fait ce que je voulais faire. En fait, en donnant un petit coin ici dans le mur, on recule un tout petit peu. Si on lance une noix mojo au bon moment, ça immobilise l'araignée en l'air et on sait passer. Et on a le setup parfait en fait pour pouvoir sauter au bon endroit et récolter quand même pas récolter et passer au travers de la toile. Alors les meilleurs en fait ils profitent de la chute. Je vais vous montrer un truc. Ils profitent de la chute pour donner un coup d'épée dans leur élan, ce qui les projette en arrière. Et alors le raccourci c'est en fait d'aller ici. Ici en face, il y a ma souris. Et j'aime pas quand ma souris me fait des sinners. Elle revient au milieu de l'écran, soit. Il revient ici, c'est pas là, qu'est-ce que je raconte? Ici? Ouais, c'est ici. C'est là. Non. C'est bien là. Autant pour moi, j'y arriverai. Et arrive donc ici en face, qui est où on doit aller normalement, pareil. Il y a un détour kilométrique pour y aller. Nous ça nous intéresse pas, donc il faut y accéder le plus rapidement possible. Et il y a un raccourci. Donc comme je disais, soit ils profitent de l'élan, les meilleurs en tout cas c'est ce qu'ils font.
soit, il y a quand même des plans de secours. Il y a un setup ultra chelou depuis en bas, en fait, où on saute avec une roulade. Et en fait, on saute assez haut pour agripper le rebord. J'y arrive pas. Je connais des gens qui arrivent, mais enfin, je connais, c'est un grand mot. Mais j'ai vu des gens y arriver, mais personnellement, j'y arrive pas. Donc, il y a une autre technique qui consiste à utiliser la plante qui est là. Donc, c'est la technique qui s'appelle un Dekubaba Mega Side Hop. Alors, Dekubaba, parce que c'est le nom de la plante. En français, c'est une Mojo Baba. Et donc, Mojo, c'est le mot Mojo n'existe qu'en français, parce que Deku, ce n'est que ça passait moins bien. Voilà, c'est traduit par Mojo. Alors, un side hop, c'est ceci. Et donc, on va utiliser la Dekubaba qui est là pour faire un saut latéral sur le côté, mais égal, donc forcément plus. Plus costaud que la normale. Tant qu'elle remonte. Ah, et là elle tape. Encore un. Perdu. C'est facile. J'explique après comment ça fonctionne. Eh non, salope. Voilà. À le faire, ça ferait la version Jap, ça fonctionne. Alors. Je me suis planté dans les touches. C'est une cube, j'y arrive. Hey, mais petit vilain. Allez. Quoi de différent entre 50 et 60 FPS? Ça fait tout, hein. S'il faut que je prenne la son jump, hein, tu vas casser les pieds longtemps. Allez. C'est la bonne quand même. On plombe après. En fait, le but du jeu, c'est que quand on est censé faire une roulade vers l'avant et un saut sur le côté, et si elle nous tape au bon moment, en fait, on est éjecté, on reçoit des dégâts, en fait, on est éjecté vers l'arrière. Et ça se trouve, elle est mise différemment. Hein. Non. Mais va-t'en. Barre-toi. Voilà. Oh, trop tôt, ça. Je sais pas quel arc toi, parce que tu vas. Ah ouais. N'empêche que vous pourrez constater que les mecs qui maîtrisent ça, ils sont bien malaises aussi. Moi j'ai absolument pas d'expérience là-dedans, j'ai fait une fois ou deux ainsi à l'arrache. C'était tout, c'était mon plaisir personnel. Bon, je suis pas spécialement mais bon, ça va aller. Tu vas voir qu'il y a tout va me troller ce soir. Je vais le montrer. Ils
ça, le coup de la Mojo Baba, ça me... Oh, elle casse, toi, la souris. Ah oui, c'est logique. Oui, voilà. De nouveau, bien sûr, en tasse, il s'en tape, puisque il fait au frame par frame. Et alors, non, je ne saurais pas le faire, puisque Project 64 ne fait pas de re-record et de... Et de frame advance. Trop tard. C'est pas grave. C'est quand même les 17% qui font. Bah, je refais un essai, puis sinon je reprends la version japonaise pour passer le truc, parce que sinon on va pas y arriver. Aïe. C'est nouveau toi. Une tape là. Ouh, 5 fois. 6. Tokino Karina, où est-ce qu'il est? Voilà. Alors, système. Alors, hé, hey, il y a ici. Allez. Load. Décuterie, je pense que c'était là. Voilà. Bouge-toi la souris. Et voir que je suis pas fou quand même. Ça fonctionnait, comme je dis, je l'ai fait sur un GameCube sans problème, mais enfin sans problème, c'est relatif. Ah oui, non, ça va, j'ai que ça, c'est normal. Ouais, c'est pas grave. On voit tout de suite la différence ici, je dis à l'eau. J'ai chopé les normes aujourd'hui. Oui. Ouais, je vais les mettre là, la bouteille, je vais la mettre là. Voilà. Normalement l'araignée est censée venir du troll pareil. Je sais même pas si il est censé monter. J'ai compris quand même. C'est que donc je disais la version GameCube était 60 Hz aussi donc Ouh un peu bas ça. Ouais, pas grave. Et je suis passé à côté. Traîtresse. J'ai appris des noms au jeu au passage. Salope.
Allez, arrête de me regarder. Voilà. Voilà. C'est dommage, t'es bien parti. Ouais, allez, vas-y, regarde de l'autre côté aussi. Toi. Voilà. Voilà, c'est cool. Ah, du coup. Je pense que je vais faire une version plus propre. Avec la version GameCube, machin. Ah, perdu. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est mieux. Voilà, le cœur, on s'en tape. Non, on a pas besoin. Franchement, je pensais pas que 50 Hz changerait tant que ça. Parce que c'est juste le 50 Hz, clairement, la version GameCube est exactement la même que la version 64. La preuve, c'est qu'en fait, en la version 64, tout ce qui est caractère accentué apparaît bizarrement. Dans la version GameCube, les caractères accentués apparaissent bizarrement, chose qui n'arrive pas dans la version 64. C'est juste que la version GameCube est une version japonaise retraduite. Il y a même des petites différences au niveau du dialogue, mais c'est tout. Le jeu est exactement le même. Vas-y, tape-moi toi. Voilà. Eh bien. Presque. Voilà. Et magie, on est comme je disais tout à l'heure. Par contre, j'ai morflé quand même. C'est pas trop grave. Alors ici, en fait, la toile, on est censé la briser. Enfin, pas la briser. On est censé la brûler. Et pour ça, en fait, on voit la torche qui est là-bas. Donc, on est censé pousser le bloc qui va en bas. La flamme est censée être allumée. On l'a activée avec l'interrupteur, je pense. Oui, c'est l'interrupteur qui l'allume. Et donc, vu que ça brûle, ben, on saute, on revient ici. Trop long. Beaucoup. Beaucoup trop long. Voilà. Alors, on utilise un bug qui s'appelle le flame storage. En fait, quand on va taper le haut de la torche avec l'épée, la torche qui est là, lui, il va regarder est-ce que l'objet peut brûler ou pas. Et du coup, par contre, le fait qu'il y ait la flamme, apparemment, il le garde en mémoire. Bon, le bug est sans doute plus compliqué que ça, mais j'essaye de résumer comme je peux et de ce que j'ai compris. Et du coup, même en touchant ainsi le haut de la torche, en redescendant, on aura toujours cette notion de quelque chose qui s'est enflammé. Si on switch ensuite sur le bâton Mojo, il va s'enflammer comme par magie, malgré qu'on soit perpète de la torche, quoi. Donc en gros, je l'ai mal fait, ouais, je m'en doutais. Qui digne des cœurs, c'est un peu chiant, désolé. Faudra faire avec. Non, je voulais pas le bâton. Je le bâton. Non. Voilà. Et donc, vous voyez, le bâton s'est enflammé alors que. Mais absolument pas sur la flamme. Hop. J'ai quand même essayé d'aller. Ah si, c'est pas mal. Je vais juste ici me faire toucher qu'une fois. C'est mieux. Je sais plus. C'est quoi l'ordre? Faut impérativement, par contre, j'ai un cœur, c'est pour la suite. Je sais plus, c'est. Ouais, si c'est mieux. C'est milieu gauche droite. Non, milieu droite gauche. Ah non, putain, fallait pas me taper, c'est pas. Pas grave, on fera autrement. Comme ça. Espérant qu'il. C'est une question de facilité, c'est pas un prérequis, mais. Pareil, souvent ils viennent se mettre ici. Eh merde, c'est pas grave. Simplement pour la choper. Donc en fait ici elle explique, enfin ils expliquent que normalement on est censé, enfin qu'il y a quelque chose qui donne le code secret, c'est une autre peste mojo qui est dans une autre salle, donc qui donne l'ordre, en fait l'ordre change selon le fichier de sauvegarde, et qui t'explique le secret pour tuer Goma, leur reine.
qui est ici le boss du donjon. Donc on a bien coupé au cours, hein. Je vais pas passer mon temps à faire tout le donjon, mais il y a on est quand même en bas. Il y a quand même, j'ai pas toute la carte, mais enfin oui, il y a quand même 3 étages de cave. Donc on skip pratiquement tout le donjon. Et donc il explique qu'en fait quand son œil est rouge, voilà, il faut l'étourdir et puis ensuite on va pouvoir la taper. Alors ici, ce qu'on voit dans les runs et ce qui n'est pas expliqué, ce que eux font, c'est qu'ils font d'office, il fait un jump slash avec le bâton mojo pour entrer, comme ça, voilà. Tout simplement pour, comme j'expliquais tout à l'heure, stocker 4 de dégâts pour le crotch sap, donc l'attaque accroupie avec le bouclier. Cette attaque là. Ah là là, par contre j'avais stoppé, hein, j'ai fait la merde. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Chose que j'arriverai probablement moi pas à faire, c'est qu'ils se mettent ainsi. Donc ils sortent l'épée, comme ça, tac, ils tapent à 4. Alors en fait, ils donnent un coup d'épée, ils tapent à 4. Ils étourdissent avec une noix mojo. Ils redonnent un coup à 4 avec l'épée. Et ensuite ils font un jump slash pour se suicider en même temps en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut impérativement un demi-cœur. Comme ça, non seulement ça permet de le tuer en une phase, mais ça permet aussi de se tuer soi-même, et ça je vais y venir après. Donc, voilà. Moi par contre, il y a peu de chances que j'arrive à la tuer en une phase, je suis désolé, j'ai clairement pas le skill pour quoi. Ici on fait juste un look-up, elle est là, faut qu'elle nous regarde, voilà. Voilà, il n'y a rien. Forcément, c'est pas eu moi. Pour moi, je pense que c'est un des trucs les plus durs à réaliser si tu es en une phase. Par contre, là, elle va prendre ses œufs. Sinon, il n'y a pas de souci. Il y a une sauvegarde qui est prête. Et vas-y, prends tes œufs. Voilà. Et c'est une petite suicide comme eux. Ah bah, c'est perdu. Ça fait rien. Bref. En gros, vous avez compris ce qui se passe dans le run. Alors, je vais faire un load. Voilà, très belle. Blue Warp Ready. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on se suicide? En fait, on le fait parce qu'on a besoin impérativement de la porte qui est là-bas. Et si on tue le boss, en fait, il y a une espèce de gros mur qui est ici, qui est celui qu'on va se refermer dans la cinématique. Et qui casse les pieds. Et donc forcément on n'a pas accès à la porte. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix dans ce cas-ci de faire un double KO. En fait ici, donc ce qui va se passer, avec l'Ocarina et Time Glitch, donc le fait de pouvoir jouer de l'Ocarina avec n'importe quoi, on va bloquer en fait la cinématique qui nous fait rentrer dans le portail. On va garder le contrôle du personnage. Et en fait le jeu plante littéralement. Et plutôt que de charger la cutscene suivante, donc là c'est une cinématique suivante par ordre, il va en fait charger la suivante en adresse mémoire, et il se trouve que le hasard, bouge-toi la souris, le hasard a fait en sorte que ça soit le boss de fin. Voilà, c'est juste du pur hasard. Maintenant il y a d'autres, donc cette technique c'est le Wrong Warp, donc le warp, donc
mauvaise téléportation, on va dire ça comme ça. Et il y en a d'autres qui existent, il y en a qui ne servent carrément à rien, il y en a des plus intéressantes pour d'autres contextes, quoi. Normalement, notamment, je pense, pour ceux qui ont fait le jeu, donc le deuxième donjon étant enfant, la caverne de Dongo. Normalement, on le fait étant enfant, c'est là qu'on a les bombes, mais dans certaines races, par exemple les Bingo races, j'en parlerai en détail plus après, ils vont faire le donjon étant adulte, et ensuite pour retraverser la map, ils utilisent exactement la même technique, mais au lieu de repasser une porte, en fait ils se tuent avec une bombe. Ah, c'est cool, on les a, donc c'est bien que ça serve. Ils se tuent avec une bombe, et la warp les emmène au camp d'entraînement Gerudo, donc c'est-à-dire complètement de l'autre côté du jeu. Voilà, c'est le genre de tricks qui sert, quoi. Alors pareil ici, en fait, dans le TAS, le mec il arrive, il fait ça comme un dieu, chose qui n'est absolument pas possible à la main. Ou alors vous avez vraiment du bol, il faut aussi passer par un setup. Et donc qui est celui-ci. Alors là faut pas que je me foire. C'est-à-dire pas comme ça. Par contre j'aurais dû faire un. C'est pas grave. Je vais refaire un load. Imaginez aussi la pression que les runners ils ont sur les épaules, par exemple de foirer un moment comme celui-là. Déjà ne serait-ce qu'ici foirer l'Ocarina Item Glitch, je fais F5, parce que ça veut dire que tout est foutu en l'air, il faut resetter la console. On a découvert que heureusement, parce qu'en fait ici l'histoire avec la cutscene c'est que ça dépend de celle que vous avez lue précédemment. Donc, si vous faites un reset, celle qui sera lue précédemment c'est la cinématique d'intro qu'on voit. Où il y a le pre-start. Le problème c'est que si on fait la warm-up avec en ayant vu cette cinématique, ça va nous emmener nulle part en fait. Le jeu crache pas, mais on ne sait pas continuer. Donc il est impératif que la dernière cutscene vue soit le moment donné où on rentre dans l'Armojo. Alors on a trouvé heureusement une autre technique. On doit retourner à la maison de Link à pied, et une fois dedans on appuie sur start, on met simplement le jeu en pause. Et puis après, on revient dans l'arbre et c'est bon, quoi. Le curseur, enfin, le pointeur pour les informaticiens est remis au bon endroit. Mais bon, voilà, je pensais que ça reste plusieurs minutes dans la vue, donc naturellement, ils peuvent pas se permettre ce genre de truc. Et tu me casses les pieds, tout à l'heure, ça l'a bien fait. D'ailleurs, je vais même sauvegarder ici. Et bouge-toi la souris! Quelques fois, faut juste que je retrouve le rythme. Et allez! Et il est bien assigné au bouton quand même, autre moins d'un doute. Ouais, c'est bon. Allez! Tu me l'as fait tout à l'heure, Link. On a très peu de temps, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Ça marche, hein, regarde, je peux le faire. Hein. Voilà. C'est juste qu'en fait, il faut le faire assez rapidement parce que sinon, il n'y a rien à faire, le téléporteur s'enclenche. Mais ça tombe, je suis mal placé aussi, hein, c'est pas exclure. Ouais, à mon avis, je suis probablement mal placé. Ouais, je crois que j'étais trop pauvre en fait. C'est possible. On va faire un F5 comme ça. Ouais, non, par contre, je suis mieux mis. Là, c'est moi qui ai fait de la merde. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, normalement, le téléporteur se déclenche, mais comme j'ai l'ocarina... Oh, purée, je me suis planté de bouton. Ouais, c'est pas grave. Vous voyez quand même que le truc se déclenche, donc là, il y a une autre chose qui se passe. J'en profite pour l'expliquer. En fait, une fois qu'on peut reprendre le contrôle du personnage, donc en annulant le champ de l'ocarina, on a un court laps de temps avec une petite marge d'erreur, donc de 5 frames du jeu,
c'est genre qui tourne à 20 fps, ça fait que je dis pas de conneries, ça fait une quinzaine de trucs réels, enfin ça fait à peu près peu moins d'une demi-seconde de marge, où en fait on va essayer de se diriger ici vers la porte pour arriver à un moment donné précis. Et c'est ce moment donné en fait on se repère sur cette butte-ci qui est clé, qui détermine la façon en fait on va devoir passer la porte, etc. Pour charger le bon truc. Donc tout à l'heure j'y suis bien arrivé, là, plusieurs fois de suite, je me suis surpris moi-même. Donc voilà. Normalement ça doit être celle-là, enfin je l'espère. Ok, si on se plaque contre le mur, on fait demi-tour. Ah, perdu. Parce que la caméra a bougé. Faut pas que la caméra bouge, c'est essentiel parce qu'en fait dès qu'elle regarde le téléporteur bleu, le truc se recharge. Donc faut pas qu'elle la caméra regarde le truc trop longtemps. C'est pour ça qu'en fait on se met face à un mur, on pivote à 90 degrés et on repousse sur Z pour que la caméra passe rapidement. Et c'est le moment donné ici où elle passe rapidement qui fait planter le pointeur. Et le positionnement dans lequel on est joue également. Donc c'est vraiment compliqué. Si ceux qui veulent plus de détails, je vous filerai pareil. Je mettrai l'adresse de stream, de gens qui streament ça régulièrement. Vous pourrez franchement aller les questionner, ils se feront plaisir de répondre. Oh, trop loin ça. Oh oui. Perdu. Très perdu. Non, c'était pas ce bouton là. Regardez bien, je vais m'envoler en mettant des insectes. Ah. Mais non. Franchement, avec une manette pas terrible, c'est pas évident. Oh, on va piper sur un truc. C'est pas grave, je regarderai après. Voilà. Viens. Hop, hop. Hey, je suis à côté, je suis à côté. Je suis parti de travers. Et non. Et allez. Je peux pas faire de save state à un autre moment parce que c'est trop délicat, vraiment on a trop peu de marge d'erreur. Voilà. Ouh, je pense que c'est comme ça. Ouh, je crois que ça doit être la deuxième. Je sens le plan foiré. Je sais pas pourquoi mais ça va pas marcher, je le sens bien. Eh ouais, gagné, c'était foiré. J'espère par contre que je vais pas refaire toutes ces frames là. Ouf, ouf, travers, de travers, c'est pas la peine. Vous voyez que c'est vraiment pas évident. Allez! Même avec une manette complètement adaptée, c'est vraiment pas évident. Putain, cinquième. Donc cinquième, c'est la dite frame de marge en question. Hein. C'est des trucs qu'ils connaissent par cœur. Je crois que c'est un machin comme ça. Enfin, c'est un drôle de setup. Je suis pas sûr. Ouais, non. Ça, je m'en doutais. Voilà, ça, c'est un chien qui se secoue. Voilà. Elle tombe sur la deuxième, la troisième ou la quatrième, c'est des simples quoi. Voilà. Oh, ça me paraît un peu juste, mais c'est pas grave. On verra bien. Je crois que c'est un truc comme ça. Oui, même le fait d'aller coller la porte, etc., c'est pas anodin. Donc je me disais, c'était pas la bonne. Oh, un coup d'épée.
Allez. Voilà. Vraiment, le droit est vraiment précis. Je me couche, je me suis bien fait. Ouais. Mais. Voilà. J'ai fait un espèce de drôle de tour là, ouais. Pareil, je l'ai encore refait. Hop, ça recommence, ça sent le troisième frame, le quatrième frame. C'est peut-être mieux ça. J'ai lâché le bouton Z, j'aurais peut-être pas dû. Allez, vas-y. Allez. Tout à l'heure, j'y suis plus arrivé, en plus. J'étais trop fier. Et il y a le soir aussi. Alors, je devrais être bien sur le côté. Oh là, pourquoi tu pars de autant de travers, Link? Tu le fais exprès, quoi. Je vais y arriver. Je vais pas pousser sur le bouton. Allez. Voilà. Je tire comme ça. Allez, pourquoi tu fais un drôle de tour comme ça, Link? Ouais, putain, ce corps, cette frame chelou. Non, je vais essayer, c'est pas grave. Ouais, fais pas le petit saut latéral pour me faire plaisir. Sachant que t'es de travers. Sinon, je vais encore essayer une minute ou deux, putain. Mais non! Et putain, c'est vraiment chiant en fait, parce que je suis obligé de mettre ça sur des boutons un peu foireux. Allez. Voilà. Pourquoi est-ce que tu fais un tour comme ça, Link, quoi? C'est sérieux. J'ai rediminué ma dead zone. C'est vraiment sport en fait, en mode bricolage. C'est avec 35%. Et bouge-toi la souris. Comme ça, ça me permettrait peut-être d'avoir un peu plus de précision. C'est jamais. Mais non, pourquoi toi? C'est pas grave, faut dire que. Ce qui est également un repère au bruit, mais ça, je sais pas trop expliquer. Et je prie pour que ça, je me plante pas aussi, parce que naturellement, comme j'ai dit, je suis loin d'être un expert. C'est pas ça. Ah non. Mets un peu vers l'avant. Pourquoi est-ce que tu fais un tour comme ça? Je sais pas, j'ai un angle de caméra qui est un peu bizarre aussi, qui se met partout. Non, non, j'ai oublié d'appuyer sur B, quoi. Allez, mais pourquoi tu fais un tour de merde comme ça, Lee? Tu me casses les pieds, tu me casses les pieds, tu me l'as pas fait tout à l'heure, cette espèce de cumulé foireux, là. En fait, oui, ça paraît pas, mais ce petit détour foireux, c'est ça, ça change tout, vraiment tout. Cette trajectoire, c'est ultra précise. Allez. Ah, quand ça va plus, ça va plus long. On sent la fatigue qui est là. On pousse bien sur tous les boutons et tout, mais non. Encore un petit essai, puis ça sera tout, je pense. Ouais.
suis vraiment sur un angle bizarre. Ouais, je m'en doutais. Je vais même me repartir, tant pis. Je vais me repartir de zéro. Ouais, ben bien sûr, quoi. Ça, je repars de zéro, je me foire, hein. C'est beaucoup vous le diront en fait de ceux qui le font, c'est probablement un des pires jeux à runner en live, hein, c'est Ocarina of Time. Parce que les glitches, comme vous pouvez le voir, sont vraiment vraiment délicieux. Au niveau de placement, au niveau de tout quoi. Eh ouais, bien sûr, je suis très mal mis. Non, je dois charger, tant pis. Je suis parti de mon endroit foireux. Puis je vais me mettre un peu comme ça. Dernier essai, puis. Mais allez, putain! Ah oui. Je comprends pas pourquoi en fait il essaye de faire une espèce de drôle de demi-tour là comme ça. Sachant que je lui demande rien quoi. Eh oui! Prends-toi le mur. Tu y crois, ça, le coup d'épée? Là, je crois que je suis passé super tôt. Je me suis bien merdé. Ouais, je me suis vraiment bien merdé. Je suis en train de m'exploser les pouces, ça paraît pas, mais je m'explose vraiment les pouces. Et allez, va dans la porte, va dans la porte. Mais c'est foiré. Ouais, oui. Tout à l'heure j'avais un bon placement et tout, mais non quoi. Et arrête de donner des coups d'épée, vilain. Mais je le vois bien, là je suis de travers et tout, ça le fait pas. Ouais ouais, putain. Bon, je repars une fois du début. Je fais un save state. Un machin réussi. Voilà. Puis on va pas ici, puis ça passe pas. Ça dodo. Mais déclenche-toi. Tu vas voir que je suis encore mal placé en fait. Ouais. Putain, ça rase quoi. Link, mets-toi droit. Voilà. Drôle d'angle. Je suis pas correct comme ça. Deuxième. Putain, je crois que la deuxième est foireuse. Tant pis, je vais tenter qu'un setup de troisième. Mais non, pas de jump slash. Passe la porte. Même si c'est foireux. Mais non! Ouais non c'est bon. Bon ça, je vais en rester là par contre parce que c'est trop y a rien à faire quoi, ça veut pas. Donc c'est comme je disais, c'est vraiment une affaire de grosse précision. Mais en tout cas moi j'espère que j'ai atteint mon but et que je vous explique un petit peu ce qui se passait entre autres également avec l'ISG. Mais je vais zapper cette étape, je vais quand même aller à la fin comme ça. Puisque j'y suis quand même déjà arrivé. Faut pas déconner. Voilà, de toute façon. Alors, je vais faire un système load. Ça gagne en escape. En espérant que de toute façon, il reste un peu comme ça. Par contre, il faut que je place le bâton là. De toute façon, là.
Voilà, je ne me prends pas mal. Donc en fait, ici, ouais, on est vraiment... bon jeu de méchant, mais il y a toujours deux fois. On a battu le boss de fin du premier fois. Il fait tout simplement ses points de la poudre en tout cas. Alors dans le dernier tas qui est paru, il fait un truc de malade. En fait, il saute les étages comme ça depuis l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose que tous ceux qui ont le jeu, par exemple, ont tenté un jour ou l'autre en se disant « Est-ce que c'est possible ?» Et effectivement, oui, avec un certain timing, en touchant certains rochers, c'est possible d'atteindre à l'étage en bas et donc ça, grosse partie. C'est principalement de là que vient 5 minutes de gagner par rapport. Pour ceux qui se rappellent, en fait, je suis arrivé dans cette salle. Enfin, normalement, on est censé plutôt. On est censé, quand on réussit, on wrap. Détail très important, on a un bouclier en bois et il y a des cailloux en feu. Si on touche, forcément, le bouclier brûle. Mais comme on n'est pas censé. On n'est pas censé en fait. Arriver ici étant petit et avoir quelque chose qui brûle, le jeu crash, ça va peut-être m'arriver. Par ici en fait on sortir un jump slash, on chope les stats fausses, ceux-là, ceux-là. Il faut bien se passer ce coup-ci, ça commence à pas mal trop en faisant gaffe à tout. Ouais, ils font très mal, hein. J'ai dit de le préciser. Allez, vas-y. Ouais, voilà. Donc ici, mon ISG est activé, donc le truc que j'ai à faire, c'est m'approcher d'eux. Je tape à 4 attaques, hein. J'ai dit, voilà. Tout simplement. Si j'ai été désactivé, mais voilà, en gros c'est plus ou moins ce qui se passe. On verra mieux sur Ganon, mais... Pourquoi pas. Et puisque bien sûr, on ne peut pas taper. Quand le rocher se casse, il n'est pas considéré comme un peu. Il n'y a pas ici au sol. Si je me les chope, c'est clairement. Voilà. Comme je vous disais, du coup, je dois me retaper la réouverture du jeu. C'est un crash très, 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 très violent. Où est-ce qu'il est, moi, mon émulateur? Je crois que du coup je dois me retaper la descente, c'est pas grave, je le referai. Question aussi de... Et hop là, ça me fait chier qu'on voit plus le bureau, mais c'est pas grave. System load. Ganon escape. Ouais, j'ai pas de... Combat qu'on a... Il va partir. Il touche un, ça. Ouais, je change le bâton pour jouer. Regardez cette scène, c'est pour tout recommencer, ça c'est ultra. Pour vous que ce soit barbant surtout.
chante. C'est surtout que je ne me suis pas des masses imprimées comme je disais. Ouais, une fois j'ai eu un coup de bol que la warp soit passée. J'ai pu arriver au jeu. C'est pas du tout une sauvegarde que j'ai mis. C'est moi qui fais ça avec mes petites mains. Allez, je vais préparer. S'éloigne un peu. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Fous-moi la paix. En fait, vous pouvez constater que c'est assez facilement, mais super mal. Bon, souvent ils ont tendance à faire un jump slash et un coup, donc c'est clair que ça nous achève. Voilà, je vais crever comme une merde, tu vas voir ça. Ce serait la fin du siècle, mais bon, c'est possible. Mais lâchez-moi! Voilà, c'est bien, c'est pas grave, F7. Ils m'ont pas lâché, les vilains. De nouveau, en tasse, bien sûr, c'est un truc qu'on a aussi du premier coup, c'est vraiment pas un problème. Mais... à la main, c'est pas évident. Ah mais non, je m'en fous, c'est la France. Ah, j'ai pété mon bâton. C'est trop bien. Ça se fait, hein, mais... on va voir un peu plus rapidement. Non, 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 fous-moi la paix, fous-moi la paix. Et l'autre, il était derrière. Quoi? Vous voyez, le jump slash, il fait très mal. Mais allez, déclenche-toi. C'est un problème en fait, en plus qu'on peut plus dans le coin. Ah, ils sont très partis pour le café. Je me foutrais très bien. Tu vas voir qu'en plus c'est mon seul qui passe pas. Voilà, putain. Donc en fait, puis je tape réellement à son délire à toutes les thèmes disponibles. Hein. Non, tu ne taperas pas. Foiré. Ok, comment on a réussi? En espérant chasser tant de niveau. Mais normalement, oui. Hein. Enfin, j'arriverai pas dans le rouge, hein, mais... c'est bon. Ah,
pareil aussi ici, je vais faire son garçon. La phase avec les cailloux. Bings, vas-y. Ah oui, ça demande vraiment du skill. Alors, heureusement, comme j'ai sauvegardé. Où est-ce que t'es? Vas-y. Ah ouais, peut-être que c'est une flamme. Tu bouges de ma caméra, toi. Si tu as pas eu... Il y en a ceux qui auront peut-être remarqué que les graphismes et les contours sont nets. Voilà, bon, les froids, il faut faire gaffe. C'est sur place, c'est pas vrai pour le moment. Les contours sont plus nets que sur la 64, parce qu'en fait, la 64 a 20 traitements en plus sur les textures. C'est flouté un petit peu comme ça, ça fait de l'anti-aliasing. Je disais que j'étais dans le rouge. Il est flouté un petit peu. Donc c'est ça qui donne un peu ce flou sur tous les jeux Nintendo 64, mais ici, le truc n'est pas activé, punette. Puisque c'est un émulateur en plein écran, il y a moyen de le mettre, mais pas en fenêtre. C'est ça qui faisait la grosse différence en fait entre le PlayStation et le jeu N64. Le PlayStation n'avait pas l'anti-aliasing, c'est comme ça que ça s'appelle. Cinématique que de jeu. Là ici, moment phénoménal. Le moteur du jeu remarque que Link n'est pas cadré, donc le recadre de lui-même. C'est pour ça qu'en fait, quand ici le plan s'éloigne, Link vole. Puisqu'on est censé, nouveau pour ceux qui ne connaissent pas ce formidable jeu, on est censé être adulte, donc forcément de la même taille que Zelda. N'est pas cadré, par contre là il s'en fout. Là le méchant qu'on a battu une fois revient. Je dis ça, le méchant qu'on a battu deux fois. Qui nous montre qu'il y a la triforce de la force parce que c'est le meilleur. C'est donc un boss récurrent des Zelda, Ganon, parce que là en japonais il écrit Ganono. Alors là en fait on perd une épée qui est la Master Force Sword, donc effectivement l'épée finale du jeu qu'on n'a pas eu mais qu'on perd quand même. C'est chouette, et donc on en a besoin maintenant pour battre le boss. Ce qui est pratique en fait, normalement cette épée, je me la pose, cette épée se trouve au temple du temps, et là bah c'est bien parce qu'on a ou pas courir jusque là pour aller chercher la choper. Alors ici il faut que je fasse super gaffe parce qu'en fait il faut penser que il me one shot hein. On rigole pas que j'ai 3 ou 4 coeurs il me one shot. Voilà. Petit sauf que ça va passer.
Oui, c'est vrai que je cheat par rapport aux vrais joueurs, mais les vrais runners ne font pas ça, ils font pas de save state. Ce sont les vrais boxeurs, les mecs qui arrivent réellement. Ça one shot, hein, il n'y a pas besoin de démo. Hein. Bon, je me rêvais qu'il me fasse ton ISG, moi. Hein. Voilà. Voilà. Ici, comme le niveau, t'as pas l'infini. Y a pas de souci. C'est vrai que ça a été vite puisque j'ai. La Master Sword, en fait les pécopéries, puisqu'il ne faut pas équiper la Master Sword, mais si vous remarquez le curseur ici, il a changé et le jeu, malgré que ce soit les pécopéries ici, considère que j'ai la Master Sword en main, et donc je peux pas aller battre. Yeah. Il aurait déclenché du premier coup. Oh oui, c'est magnifique. Oh, c'était un fail. Je vais y arriver, hein. Normalement c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est bon, pas de ça arrive. Et tu vas réussir à passer. Niveau et configuration du compte pas super pratique. Guerre différente de la game dans ce cas-ci. Je reste sur place dans le compte. Je pense que. Il va me tuer. Ici en fait on va entendre normalement à le moment où le jeu est codé, malgré que je sois limite en fond, en fait, on va voir les lignes. Ici Zelda va enchanter notre bateau mojo, parce que le bateau mojo c'est l'arme du mojo. Le bateau mojo. Bon, c'est censé être une épée. Et... voilà. Bien sûr, sans le toucher. Hein. Voilà, donc ici c'est la fin du jeu, c'est pas vraiment comme ça, donc comme je dis, je me trouve bien de remettre francophone, c'est si ça vous intéresse, ils font des choses très très chouettes, donc c'est vrai que je parlais tout à l'heure des Bingores, donc il y a Marco et Sentinelle qui en font. Le principe est simple en fait, et c'est pour moi plus intéressant même qu'ici un Any%. En fait, il y a une volée d'objectifs, j'ai en tête 500. Il y en a 25 qui sont choisis aléatoirement et ils ont une grille en fait où ces objectifs sont indiqués.
et ils doivent choisir soit une ligne, soit une colonne, soit une diagonale, et remplir ses objectifs le plus rapidement possible. En moyenne, ils mettent une heure et demie, et voilà, donc ça permet de voir comment ils peuvent... On demande une maîtrise parfaite du jeu, de connaître le jeu à 100%, c'est clair et net. Ils vont chercher des objets un peu partout, ils font des donjons dans l'ordre qu'ils veulent du moment qu'ils vont le plus rapidement possible. C'est super intéressant à voir quand on connaît un petit peu le jeu. Marco a déjà fait une run 100% aussi en 7 heures, je crois, un truc comme ça, donc le jeu au complet. Le record du monde est à 4 heures, faut le faire quand même. Je pense que c'est Pydox d'ailleurs qui l'a. Je mettrai aussi sa vidéo. Et voilà, moi en tout cas, j'espère que, comme je disais, j'ai atteint mon but. Vous avez compris ce qui se passe aussi bien dans le tas que dans un speedrun traditionnel à la manette. Parce que vous voyez qu'à la manette, c'est possible. J'ai absolument pas triché. Ça, je demande juste du skill, quoi. Chose que je dis, enfin, moi j'ai quelques heures. Enfin, je vais peut-être dire 10, 12, ouais. On va dire 20, mais j'exagère beaucoup. Les gens qui maîtrisent ça, ça se compte en centaines d'heures de pratique, quoi. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous laisse ici un petit peu le générique de fin. Et j'espère que ça vous aura plu. Au plaisir ici de vous recroiser donc sur mon Twitch. À bientôt.